Ouais. Si t'es pour le gagnant, t'es toujours Max Testo. C'est vraiment bien. Est-ce qu'on aurait le set Koun de Andy et de Jazz? C'est pas si je... Ouais, attends, je vais te trouver ça. Ah, nickel. Parce que moi, je dirais que Jazz là. Oui, mais c'est pas passé loin des plus gros set count de Smash genre de France. Ah si, c'est possible. Du coup, le match qui commence, premier match. On a les situations. Non, on a Indy contre le Duc de Nancy, hein, on rappelle Jazz Punk. Attention qu'il part sur le premier skin violet. Hein. C'est vrai que quand il part sur le skin. Mais tu vois, il fait souvent le même ordre. Il fait skin violet, après. Le vert souvent. Le vert. Et le chantier, là, c'est quand il est créatif. Hein. Ah, le chantier, c'est vrai. Ah, je crois qu'on a le set count. Ouais, donc 13-34. Donc 34 pour Jazz, 13 pour Indy. Alors après, faut voir aussi. Enfin, c'est des colocataires, donc. Oui. Ah oui. Ils jouent. Ils se connaissent très bien. C'est ça. Donc, c'est pas forcément représentatif du niveau. D'ailleurs, Indy qui vient de prendre la stock très rapidement. C'est rien. Un Pagnon contre Roméo, hein. Très gros match. Un Pagnon. Mais c'est pas les touches de. Non, c'est comme c'est la même console, tu vois, sur la télé, mais c'était pas lourd qui faisait ses touches, c'était bien Indy. Okay. La. Les fans des jeux de mots de lycéens. Ah oui, ça c'est. Bah c'est sûr que c'est pas ici qu'il va se prendre des heures de colle, mais en attendant, hein, Indy qui est en mauvaise situation là quand même. Enfin, en situation de Edgeguard, Jespin commence à reprendre du poil de la bête, deux bides d'affilée. Bah là c'est vraiment des stocks qui peuvent partir vite, à l'opposé du match de tout à l'heure où on avait vraiment un échange de coups, là si je peux prendre la stock, je la prends. Hein. Ah bah là c'est clairement un échange de gros. On a le go d'ailleurs de Thierry. C'est pas Thierry. Gluttiné en même temps. Non, oui, je vois. Thierry Henry. Thierry, non, c'est pas lui. Mais bon, en tout cas, là, bah, Jazz qui va. La classique, j'allais dire. Là, à tout moment, il tue. J'allais dire la up smash. Voilà. Non, ça, c'est le très grosse zone. Hein. Si touché avant. Oui, c'est vrai. Indy n'est pas luxembourgeois, il est bien français. Ah oui, on n'aime pas trop ça. On s'est bien fait, on aime bien. Et c'est très bien fait. Hein. En vrai, la prod ici est folle. Moi, je trouve, comparé à tous les endroits où on est allé. On est bien servi, même en tant que spectateur. Hein. Comme on a dit, on a l'écran géant, on a un tournoi amateur pour tous ceux qui ont fait 0-2, 1-2. On a de la nourriture le midi. Là, il y a un après-midi jeu de société à côté. Mais si tu fais le calcul de tout ça, tu passes vraiment un super bon week-end. Seulement pour 5 euros, je crois. 4 euros en spectateur. Voilà, donc, eh ben, Jazz Punk. Là, c'est compliqué. Là, on est là. Ah, mais il peut reprendre vite. Et puis, c'est la première game, tu vois. Comment ils sont colocataires. Là, il reprend peut-être un peu de la data. Hein. Il joue tout le temps en compte, donc ça doit être dur de savoir un peu. Qu'est-ce qu'il va faire, justement, les habitudes, parce que tellement on a joué contre. En fait, il y avait même plus de mix-up dans ces moments-là. Bah, t'appliques. Comment dire, t'as plus un match-up du joueur quoi. Quand tu te connais bien, clairement. Et tu respectes le perso, mais clairement c'est un match-up joueur contre joueur aussi. Qu'est-ce qui fait le plus, etc. Joli. Oula, le smash qui est trouvé. Il bien appris, et ça, je pense, tu vois, c'est une habitude. Il s'est dit, ok, d'habitude il fait ça, je vais smash. Et il va aller dedans. Ah, je ne suis pas dans sa tête, mais j'espère qu'il s'est dit ça. Hein. Ce serait bon pour tes stats. Et du coup, il n'est plus vraiment en retard là. Ah si, on est quand même à 100%. C'est Mario hein. Ça va être compliqué. C'est Mario, regarde. Hop, terminé, il n'y a plus de retard. Ah. S'il trouve une bonne phase comme dans le film, ça peut aller vite, mais là. Non, la DI qui est bonne. La DI qui est très bonne. Donc Jaspunk ne va pas mourir. On est quand même agressif du côté d'Indy. C'est bien trouvé. C'est bien trouvé. C'est de la. T'as un peu lu, mais vite fait quoi. On voit même Indy, il était un peu choqué que ça touche. Ah, après, il aurait pu trade hein, dans tous les cas. Si ça se passait bien. Ça, c'est le power dash de. C'est pas ça. Non, c'est le. Tu dises les coups. Ok. Tu vois. Ce que tu vois. Ouais, je vois. C'est violent. Non, comment il disait tout à l'heure le mot. T'inquiète, on va faire le bruitage. Il disait. Non, mais c'était pas le bon mot, je sais plus comment il disait. Faut faire le bruitage au moment où il le fait, tu vois. T'écoutes et tu fais ah ouais. Ah, ok. Ah, skin vert. Ça, skin là, vert, ça voilà, tu vois. Est-ce que je l'avais pas call à la game d'avant? Into skin vert. Ça, je pense que ça devient une routine, t'es dans tes choix de skin. Et tout à l'heure, à noter même, il a pris le skin classique, hein, après le skin vert. Donc,
Là, on va trop dans le PR. Là, la game qui commence. Là, Jazz Punk, il a dit, je rigole plus, on n'est plus à la maison, on n'est plus sur le canap. Jazz Punk, il a dit, écoute, moi, je suis le duc de Nancy, là, on est au Stade de France. Écoute, il joue plus depuis deux mois, il va voir qui est Smash. Mais il dit qu'il y a le go et pas du tout. Non, oui, en vrai, ça a beaucoup de mal à revenir. Et justement, c'est pas mal le petit Mario Sunshine canon là. Ah, le petit Mario Sunshine, hein. C'est vrai que ça régale un petit peu d'eau. Débat à part, mais très bon jeu. Débat à part, rentrer dans ces détails. Joli. On a presque une stock d'avance. Ah, du côté de Jazz, hein. En vrai, ça va très vite. Hein. Là, 28%. Bien catch. 28%, c'est le moment où s'il trouve une phase, là, ça part. Ça part, justement. Ah, ça partait, il a réussi à trade d'un coup. Donc, là, il dit oh là là, le beau spike trouvé. Ça on a l'habitude, hein. quand on regarde Jazz souvent, on s'ennuie pas. Bien trouvé Zindy, belle réponse. On a toujours une stock de retard. Ah bah là, l'appui EP, la classique est intérie de toute façon. Mais c'est des persos qui vont vite. Hein. Ah bah c'est sûr que c'est pas du tout le même type de match que Link contre Harmony. C'est ça. Mais bon, moi j'aime bien. Ça se tape fort. Il y a le back. Là on joue la bagarre quoi. On joue la bagarre, on est assis sur le canapé. Remy qui tue. C'est genre tu tue. C'est vrai qu'il se croit peut-être à la maison là. Joli. Le combat. Oula, on y est. La belle SDI de Indy, parce que je pense que sinon il prenait vraiment l'esprit. Ah oui. Non mais c'est sûr. Qu'il a mangé. Oh. Et là on voit que c'est Jaspin qui domine le jeu, qui se place, qui attend, qui est patient, qui le punit. Ah mais si t'as remarqué, à la fin de la game 1, il était pas content. Et là, à mon avis, il s'est dit je veux être heureux. Puis il s'est dit voilà, il faut remettre quand même un petit coup de boost. Il a essayé de l'Echtrump, ça a pas passé. D'accord. On est patient, on se précipite pas, on tente pas, hein. Ça sert à rien. On a l'avance, non, bah, là il est à 10%. Ah, attention. Il a le go en plus. Hein. Il a le go, mais bon, 150% normalement, je pense que pour Jazz ça devrait ça peut aller vite. Hein. Après, oui, bien sûr, hein. Il peut toujours trouver quelque chose. Ok, l'attaque le glissé. Donc la rigolie qui est faite, hein. Il respecte. La care. Hein. Il respecte au ledge. Pas. Non, mais prochain. Mais il y a la Mario Sunshine. Ah, à la c'est bon. Diff. Ah non. Ouf, ça remonte. C'était assez serré. Et le back-air est retrouvé. T'as vu, il a pas voulu punir au niveau des pieds de Terry parce qu'on sait que la hitbox elle dépasse un peu. Ah, souvent c'est toi qui te la manges quand même. Ouais, si. Mais il aurait pu, tu vois, essayer d'aller punir. Il s'est dit non, vas-y, je suis sûr, il va monter, je vais le back-air terminer. Ah, mais il te faut une hitbox disjointe. Ouais. Un petit épéiste, un petit. Ah, c'est vrai que c'est. Ah, Mario sur son épée. Ah, Mario sur son épée. Ah, bah comme dans le film. C'est oui, vrai, comme dans le film. J'ai oublié. Là, c'est. Moi, je pronostique le skin Mario du film. C'est Mario classique ou Mario du chantier. Tu penses que. Oh, le ah, c'est. Il garde le vert. Oh. Il nous prend un contre-pied. Aïe, aïe, aïe. Qui change de son roulement d'habitude de skin. Alors, j'ai jamais demandé à Jazz, mais il y a certains joueurs qui jouent les skins pour se mettre en tête de jouer d'une certaine manière. Ah ouais? En fait, c'est un moyen mnémotechnique d'avoir un plan de jeu en fait et tu l'assimiles à un skin en fond. Faudrait lui demander parce qu'on le voit, souvent il tourne premier, il joue tout le temps le skin violet et dans le deuxième, quand il commence à être chaud, il joue justement ce skin vert un peu greedy. Et du coup, par exemple, moi j'ai eu une période où Rob je le prenais en rouge pour avoir un plan de jeu agressif. Parce que plan de jeu agressif et vert c'était plutôt quelque chose de carré où je jouais bien me focus sur le neutral, etc. Et une association à la couleur. Après voilà, il y en a c'est juste pour s'amuser, ils sont plus. Je pense qu'il y a une vraie signification, parce que regarde la plupart, s'ils ont pas leur skin, ils sont pas bien. Hein. Sont pas ah bah bien. Ça. Bien trouvé par Indy ça. Quand le go est là, c'est le Power Geyser qui finit rigole zéro. Ça a vraiment de la sauce Terry. Thierry ou Thierry j'aime beaucoup. Moi je préfère Thierry que Terry. Ah Thierry ouais, bah c'est le marchand d'or. Ah non c'est Terry le marchand d'or. Bah oui. Non bah. Baker, le grab ça tue. Non. Le prochain. Le prochain on attend. Le prochain. Et là on est patient. Il met sa casquette. Le backer, c'est le spot qui tue pas. Moi, tout ce que je remarque, c'est que c'est un très beau duel de casquette. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Allez, faut tuer là. 190% Mario, ça tue quand même. On est venu ici, on nous a promis du beau. On repart avec du beau. Oh, ça tue. Le duc qui arrive à trouver son petit kill, 31%. J'ai bien cru que ça tuerait pas, vu que c'était à l'opposé du stage. Je me suis dit non. Indy quand même qui. On est à pourcentage even, combo starter de Mario. Oula, on a vu.
à deux doigts de mettre la classe. Tu joues avec la plateforme là ? Oula, non mais. Non mais là, Kakor, est-ce que c'est pas Jasper qu'il fallait recruter au final ? Je pense qu'ils sont plantés. Je pense également qu'ils sont plantés, joueurs, mais bon. Baker. Là, okay, on a pas tech. Ça t'aide pas, ça trouve des petits jabs, petits nerfs. Là, on a l'avantage quand même. Jasper, on sent que. Il y a vraiment une. Il essaie d'implémenter. Dommage pour une Dila. Dommage pour une Dila, il trouve le petit zombie. Et au final, ça montre un peu ce que je disais, que il n'y avait pas ce truc de mix-up, de domination de jeu quand tu connais vraiment bien quelqu'un. Parce que là, moi, je trouve la manière dont joue Jazzpunk, c'est vraiment en réponse à comment joue Indie. Et là, en globalité, il est tout le temps devant. Ouh là là, la classique. Voilà. Juste, il répond, terminé. Ah, c'est vraiment très fort hein. Ce qu'il vient de nous faire, ça se voit que c'est bossé. Ça se voit qu'à la colo qu'on l'a fait une paire de fois celle-ci. Mais justement, là ça va être intéressant de voir comment Indy va répondre un peu à ça. Après ça dépend. Parce que t'as deux manières d'aborder la chose. Soit ça fait bien, soit tu vas bien réagir, tu vois. Et surtout ça fait un moment qu'il a pas moi, joué. Moi je pense que c'est des joueurs expérimentés ici Narfa. J'en ai vu aucun jeter sa manette. C'est vrai que j'en ai encore aucun chez moi. Pour vous dire comme quoi c'est vraiment bonne ambiance ici. C'est vraiment la bonne ambiance. Il y a des gens qui crient mais c'est tout. Ici on n'aura pas de best-of cassage de manette du GameCube ou autre. Mon rêve. Et mon rêve là il te fait mentir, à la fin il pète sa manette. Non mais stylé, tu vois, tu gagnes une finale, t'es content, oui, Popov tu pètes ta manette, bon, là c'est un peu le. C'est qu'on peut en vouloir. C'est un peu le mec en concert qui pète sa guitare. Et là Indy qui veut imposer son jeu hein. Là c'est lui qui attaque, c'est lui qui va. Ah bah le chercher. Le tag à Pagnon, hein, il représente une communauté. Là, justement, qui est en situation de board et il prend la stock. Il prend déjà la stock, en plus il n'y a que 40%, donc là vraiment, Indy qui veut la bagarre là. Hop, up tilt. Il a beau avoir l'avantage, il s'arrête plus. Good jab. Et là il y a vraiment une domination. Non, en tout cas Jazzpunk il va pas se laisser faire du tout. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que là Mario à tout moment ça revient. Backer. Et là, voilà. Punition. Punition, t'es puni au coin. 2 heures de colle. Énormément de lag derrière. Il a mangé ses 2 heures de colle. Grab ? Non. Non, il a raté le timing, pour ça part sur un EP. Ok. Début de combo. Moi j'aimerais bien. Là on est repatient parce qu'on sait qu'à 111% on peut mourir, on n'a pas besoin. Là on peut jouer avec la plateforme. J'aimerais bien qu'il nous refasse une classique Mario, un petit combo là de. Ouais, mais Indy, je pense que c'est pas trop un client parce que tellement il a dû en prendre sur le canap. Ah ouais, c'est vrai il que. Il se dit, vas-y, c'est bon. C'est vrai que le canap a de l'expérience, hein. Il n'y a pas que Indy, du coup, je pense. Pareil, tu vois, le combo là de Terry, on a vu, Palourde, il les prenait tous. Jazzpunk, il arrive à s'en extirper. C'est vrai que, oui, tu peux t'en extirper en effet. Smash, non, pas trouvé. Bon, là, on laisse la stock, mais bon, focus. Là, il doit gratter. Hein. Il doit gratter Indy. Après de toute façon c'est pas fini, hein. C'est balle de match pour Jazz, mais bon, même s'il vient à perdre, on sait que il reste une petite game. D'accord. Le match d'amis, qui va remporter le match d'amis ? Le match d'amis, tu penses à un match d'amis ? Bah, moi je pense que tu vois. Donc le tag coloc. Pendant la partie adversaire. T'as vu les prises de catch qu'il lui met, t'as vraiment cru qu'ils étaient amis ? Bah, là il a bien de l'avance en tout cas Indy. C'est vrai que Indy est plutôt tranquille. Il fait tout seul. Non, il cherche à tuer. Ah voilà. Le petit dash back. On est en loser. Petit step back. Step back comme au basket. Loser de deux, là moi je vais être triste. C'est vrai que là c'est un grand départ. Loser de deux. Il y a un ami qui va tomber aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai pas l'idée mais. Oui. Dernier match 2-2 2-2 Voilà. Donc on est parti pour cette dernière game. On a beaucoup, quand même beaucoup de game 5 hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de game 5. Déjà le match d'avant. Non mais après ça régale. On vient pour voir ça, tu vas voir un top 8. Si c'est un 3-0 expéditif, c'est clair. Là, on est. Ah, puis ça joue du beau Smash Bros. Smash Bros avec Thierry. Avec Thierry et Roméo. Power Dash, mais ça marque pas. C'est pas là, la J qui est bonne. On revient bien.
Les deux, on est à 10%, là, on peut trouver un truc. Hein. Je sais pas si c'est parce qu'il le connaît ou pas, mais il a vu de manière très agressive. Ouais. Ah, ça va tuer. Et en plus, on a le go du côté de Terry. On a le go du côté de Terry, mais en fuite. Il faut déjà qu'il puisse s'en servir. Hein. Regarde le duc. Petite boule. Oula, justement, on a essayé de punir là, les pieds. Moi, je croyais au petit qui allait dépasser. Up smash, hein, bien sûr. Tu vois, Jaspunk qui up smash beaucoup moins que dans les, je trouve, dans les sets précédents. Ouais, mais genre, il est beaucoup moins. Pardon. Non mais là c'est différent. Ouais. Je veux dire, t'es client une fois, deux fois. Oui mais justement, vu que c'est indie, je pense qu'il. Ah, il connaît plus un jeu classique, ouais voilà c'est ça. Ouais mais c'est aussi le fait quand tu fais quelque chose, t'es client une fois, deux fois, tu dis pourquoi pas une troisième fois tu vois. Ouais mais non. Alors que quand on regardait son match contre le U, il se reprenait beaucoup moins. C'est vrai. On était sur autre chose. 100% d'avance hein, pour indie. Le 7 count qui pourrait faire mentir. Ah le. C'est vrai que les 7 count après ça reste quand même relativement humain. Pose buff. Ok la stock sur la dernière game pour Jaspunk. Moi j'y crois, tout est possible. Ok. À la fin du film, on sait c'est qui gagne, hein, n'oubliez pas. Ok. Après un petit Indy qui avance. Franchement, y a pas tant de Terry que ça ici. Bah en vrai ça te remotive, tu fais une pause, tu reprends le jeu. Ah c'est vrai que là tu vois win n'était pas censé entre guillemets gagner et qui peut gagner. Ah ne le donne pas pour moi. Non. Justement moi, là, moi, Jazz qui remonte bien, Jazz qui joue bien safe. Non là c'est vrai que ça joue tout de suite. Bah, là on voit qu'on est sur la dernière situation game. Situation ah, la petite cape. Ah voilà. Le même. Et voilà. La il même. A pris combien de stocks comme bon, ça. Il a pas touché à la cape mais. Là on est. Et ils se sont checkés si vous avez vu sur la caméra, là on voit vraiment. Tu vois ils sont amis. Ils sont amis mais bon, moi je me dis là on est game 5. Game la 5. Stock. La stock. Là c'est. Là on est sur quelque chose. Mario Terry, ça va très vite. Hein. J'espère juste que la malédiction ne va pas continuer de mon côté. Non. Donc moi j'y crois. Le faire. Okay. Mais okay. Là si tu remarques. Ça se respecte hein, ça, là, se, respecte ça se respecte bien. Beaucoup trop. Début de combo. Okay. Oui. Joli, on va jouer avec la plateforme, on va jouer avec la plateforme. Oh dommage, c'est pas trouvé. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Oh, ça tue la... non, ah, ça non. Tue la pas. La DI est bonne. La bonne DI. Et justement, là on va avoir un problème parce que va y avoir le go de Terry bientôt. C'est vrai, et là quand tu tues pas dans ces moments-là, là, c'est mal. C'est le moment où là, t'as peur. Là t'as un petit peu peur en tant que Mario. Je pense pas qu'il... Ça tue. Oh, bien donc, joué, on a, dommage. On va que Ringy qui va continuer. La tribo 7. Dans le loser. Très beau set, très serré. On applaudit. Très très beau set, applaudissez derrière vos écrans. Ouais. Bon, et bien sur ce, on va laisser la place. Hein. On va laisser un casse-pro.